Hey, Matelot ici d'Effroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez derrière moi. Hop, donc une maison en bois, très style vacances, un style que j'aime bien honnêtement, vous voyez avec plein de terrasses ici, vous voyez, un peu dans tous les sens, des terrasses normales, des terrasses couvertes, vous voyez, par une extension du toit comme ça, sur l'ensemble de la longueur de la maison, pas tout à fait quand même, mais vous voyez que, je sais pas, ça donne un côté sympa à la maison que j'avais envie de peaufiner un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur les 2-3 derniers jours, sur les 2 derniers jours, parce que j'avais vraiment envie de peaufiner cette petite maison, ma foi, fort sympathique. Vous voyez, donc là c'est l'entrée de la maison qu'on fait ici, vous voyez, pouf, et ma foi, elle est quand même fortement agréable. J'ai pas fait la décoration intérieure, mais je pense que je la ferai. Hop, lors des prochains jours. Vous voyez, alors attendez, j'enlève le F8. Il y a quand même une certaine place à l'intérieur, vous voyez, plein de pièces un peu dans tous les sens. Des charpentes, évidemment, des belles charpentes. Voilà, voilà. Hop, au niveau de l'extérieur, on a aussi donc une vraie parcelle ce coup-ci. Hop, une véritable parcelle avec une barrière et... Et puis voilà, la piscine, les petits chemins, tout ça dans un style très rustique et tout ça. Voilà, donc c'est cette maison que je vous invite à venir suivre pour la réaliser vous aussi. Et on va commencer par vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop. Ok, donc je vous invite à prendre les bûches de chêne, vous voyez, pour pouvoir faire la base de la maison. Vous voyez un peu ce que la maison donne sans les shaders, hein. Ça reste très intéressant, avec des très grands toits comme ça qui s'étalent pas mal sur le côté. On dirait un peu une maison tropicale quelque part, vous voyez, dans un style un peu colonial avec ouais, des grands toits comme ça. Ça j'aime bien, hein. J'ai pas mal travaillé sur cette maison, j'en suis assez content pour être honnête. Et donc, dans un premier temps, on va reprendre la base de la maison, c'est-à-dire on va mettre les piliers et tous les repères en bois, donc en bûches de bois, qui vont servir vraiment de repères pour la base de la maison. Donc je vais vous donner d'abord le contour ici, vous voyez, donc c'est la parcelle elle-même qui va donc se faire de là jusque là-bas. Je crois qu'on était sur 50 blocs de large, quelque chose comme ça. 56 blocs de longueur, d'accord. Hop, sur... Hop, ici... Sur 55, donc on est sur ouais, 56 par 56. 56 sur 55 blocs de long pour la... pour la, le plot lui-même, d'accord. Donc on va commencer directement par les barrières. Alors, les barrières, on va espacer chaque... on va mettre ici, vous voyez, au niveau des coins de notre plot, des blocs de bûches de bois, d'accord. Et on va mettre plusieurs bûches de bois sur la ligne ici. On va chacun d'entre eux les séparer entre ce bloc-là et ce bloc-là de 10 blocs, d'accord. Après, on en pose un. Et hop, derrière, on remet 10 blocs où on ne mettra rien pour mettre chaque bûche comme ça, de chaîne, comme ça, d'accord. Sur 5 écarts du coup, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pour ça qu'on a 56 blocs d'écart du coup. Ok, entre ces bûches de chêne, on va mettre des escaliers en sapin, on mettra aussi par-dessus des dalles en chêne, vous voyez, on va mettre des dalles comme ça par-dessus, tac. Tac, tac. Je vous montre qu'un seul côté de la parcelle et il faudra refaire la même chose à chaque fois, d'accord. Donc entre les trous ici, vous voyez, on va mettre une ligne d'escalier en sapin, mais vers l'extérieur, d'accord, de la maison. Hop, et par-dessus ça, on met des trappes en chaîne. Tac, 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 tac. Tu que, voilà.
Et il faudra refaire la même chose à chaque fois. Vous voyez, tout le long ici, tout le long là-bas, tout le long au fond. Il y aura deux exceptions, c'est au niveau de l'entrée de la maison. Il vaut mieux mettre du coup cette maison-là face à une route. Ici, vous avez une route, par exemple. Et en face de cette route, ici, vous voyez, vous n'avez rien du tout. Je l'ai fait un peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de barrière entre la route et la façade de la maison. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Et de l'autre côté de la maison, ici, vous voyez... J'ai ouvert sur cette partie-là, donc en partant de ce bloc-là à l'arrière de la maison jusque ici, il y a 17 blocs de longueur et on met une bûche à ce niveau-là. On laisse 5 blocs d'ouverture, d'accord, pour reprendre la bûche d'ici normalement. Après, vous retombez sur vos pieds pour la parcelle. Voilà au niveau de la parcelle, du coup, à l'intérieur... de celle-ci, je vais d'abord la faire histoire que ce soit plus clair. Ok, voilà ce que ça donne du coup avec la parcelle qui est mise. Du coup, maintenant on va mettre en place les bûches de chêne qui vont structurer toute la maison. Vous voyez, vous avez des bûches un petit peu partout. Ici, ici en plein milieu, ici, là sur les côtés, même dans le sol ici. Et donc c'est l'emplacement de toutes ces bûches-là que l'on va faire en premier lieu pour avoir la structure. Il y a une distance qui est la même partout entre chaque pilier, c'est-à-dire que ici, entre ces deux blocs de bûches, vous avez 5 blocs d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et c'est la même chose partout. Ici, vous avez 5 blocs d'écart. Ici, là, vous en avez 5. Entre ce bloc-là et ce bloc-là, vous en avez 5. Entre celui-là, là-bas, et ici, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, etc. Partout, partout, partout. Donc déjà, rien qu'avec cette information, en vous montrant le plan comme ça, vous êtes normalement capable de reprendre, de positionner vos blocs de bûches. Je vais juste vous donner les dimensions pour placer la maison par rapport à la parcelle. Donc on va prendre le bloc de bûches ici, donc en façade de maison, et on va compter 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 blocs sur le côté, puis à partir de là jusque ici, on va compter 10 blocs, d'accord? Et à partir du 11e bloc, on pose notre premier bloc de bûche de la maison, ok? Voilà, donc là on en est là, 5 blocs plus loin, on en met un autre, 5 blocs plus loin, un autre, 5 blocs plus loin, un autre, etc., etc., jusqu'à avoir une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs de bûches, d'accord? Sur la ligne de derrière, ici, 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 on refait la même chose, sauf que on ne remet pas de bûches à ce niveau-là, d'accord? Celle qui était ici, on ne la met pas là. Ici, ici, bah, ça c'est pareil, hein, voilà, on remet ici. Ici, on n'en met pas. Et sur les deux derniers, eh bien, on fait comme la première ligne, on les met ici aussi, ok? La troisième ligne du coup maintenant à ce niveau-là, entre ce bloc-là tout jusque là-bas, eh bien on fait exactement la même chose que la première ligne ici, vous voyez, on met des bûches de bois de la même façon et alignées bien sûr avec celle de la deuxième ligne aussi bien sûr, d'accord? La même chose. Sur la quatrième ligne, on met les quatre ici blocs de bois alignés pareil qu'en dessous, vous voyez, donc 5 blocs d'écart à chaque fois. Hop, sur le cinquième bloc ici, on n'en met pas. Et on en met un sur le sixième ici, d'accord, en face du coup de celui-là. Hop, sur la ligne numéro donc 3, 4, 7, 3, 5, 5, ici, là, c'est la 5. Enfin bref, cette ligne-là, on en met 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de bûches ici comme ça. Voilà. Hop, sur la ligne d'après, on va mettre la même chose, sauf qu'on n'en met pas on n'en met pas en milieu ici. On en met 1. 2, 3, 4 comme ça. Et la dernière ligne, on en met juste 4 au-dessus comme ça. Évidemment, hop, ces lignes-là sont alignées aussi, bien sûr. Ici, là, pareil, vous êtes aligné aussi. Tac, ici aussi, etc., etc. Hein, donc, avec 5 blocs d'écart entre chaque. Hop. Donc, normalement, vous devriez avoir les blocs de bûches visibles, normalement, sur votre terrain. On va mettre des blocs de... planches de chapin, de chêne, pardon, voilà, des planches de chêne du coup, ici sur la ligne, vous en mettez ici, ici,
hop, sur la ligne, hop, ici. Un comme ça vers l'intérieur pour faire l'entrée. Ici, on va laisser trois blocs de marge pour faire la porte d'entrée. Re, une ligne ici comme ça. Ok. Re, deux lignes à ce niveau-là. On n'en met pas jusqu'ici. Vous voyez, ici, là, tous ces blocs-là sur le long de la maison sur lesquels il n'y a aucun mur qui vient les rejoindre. Ça sera pour les pilotis, pour bien vous rendre compte. Ça sera donc ces blocs-là ici, vous voyez, tac, 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 tac. Ici, comme ça, hein, sur la maison modèle. Donc, voilà, on les garde comme ça. Les murs, on les prolonge ici, comme ça. D'accord ? On en met deux comme ça. On va mettre trois blocs d'écart ici pour pouvoir faire la porte d'entrée. En tout cas, l'accès pour la terrasse qui ira ici. Hop, un mur derrière. Un mur sur le côté. Un mur par au-dessus. Un mur encore au-dessus. Un mur encore sur le côté. Hop, ici, on va mettre trois blocs d'écart au plein milieu pour en faire une porte. Ici, un mur vers le bas. Un mur ici. On repart sur le côté, un mur. On revient en dessous, on fait un mur, mais on laisse trois blocs d'écart pour la porte. Hop, on remet un mur ici. On remet un mur sur le côté. On remet un mur vers le bas ici. Un autre ici. Et normalement, vous avez rejoint votre mur de base à ce niveau-là. Ok. Maintenant, on va faire la partie des bûches qu'on va mettre dans le sol qui vont nous permettre de faire la délimitation de la piscine. Ok. Là-bas, vous voyez. Alors, on va partir du coin à ce niveau-là, d'accord? Et on va compter à partir de là jusque là, 9 blocs. Ok, 9 blocs. Puis après 1, 2, 3 et 4 blocs comme ça, on en met une bûche dans le sol comme ça. D'accord? Donc aligné avec la ligne ici. Hop, on va 5 blocs comme ça dans ce sens-là. Donc là, on est vraiment dans ce sens-là par rapport à la maison. D'accord? Ok. Donc, on laisse 5 blocs d'écart, on en met un ici. Hop, 5 blocs sur le côté, on en a un ici. 5 blocs par devant ici, comme ça. 5 blocs sur le côté. Re 5 blocs sur le côté. 5 blocs vers l'arrière. 5 sur le côté. 5 sur l'arrière. 5 sur le côté. Et re encore 5 sur le côté et on retombe sur notre bloc de base. Ok, normalement vous avez ça sous les yeux, du coup on va reprendre la maison, on va vraiment faire la maison d'abord avant de faire le reste. Et on va monter tous les piliers des blocs de bûches. Alors dans un premier temps on va prendre le grand carré à ce niveau là, vous voyez, de la maison. Et on va monter tous les bûches à 12 blocs de hauteur. C'est-à-dire qu'on a ici notre première bûche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Et on va faire la même chose pour celle-ci. Ici, 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 là-bas, là-bas, là-bas et ici. D'accord? Allez hop. Hop, voyez ce que ça donne du coup avec les piliers à 12 blocs. D'accord. En fait, la maison pour vous expliquer, elle est décomposée en grands blocs, d'accord? Vous avez donc un premier grand bloc ici, là, vous voyez, un deuxième ici au milieu et deux petits sur les côtés. Et c'est pour ça que vous avez quatre toits différents sur la maison, hein, voilà, comme ça, parce que ça représente les grands blocs, en fait, de la maison. On voit bien ça aussi, bien sûr, sur la partie ici, un bloc au milieu, un bloc et un bloc. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc ici, sur ce bloc-là, on a mis 12 blocs de hauteur par pilier. Et au niveau du bloc du centre, on va mettre 10 blocs de hauteur par pilier. Sauf si le pilier du centre, ici comme ça, est déjà à 12 blocs, eh bien on va le laisser comme ça, tout simplement. Mais tous les autres, on va les monter à 10 blocs. Ici, 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 ici et ici. D'accord? Allez, hop. Ok, voilà, donc on a nos piliers pour la partie centrale à 10 blocs. Et maintenant, les deux autres blocs, ici et ici, on va les monter à 6 blocs de hauteur. D'accord? Hop. Sauf évidemment, les piliers qui sont déjà mis ici, vous voyez, cela et celui-là, ils font partie de ce bloc-là. Mais comme ils sont déjà hauts, on ne va pas les rétrécir. On va les garder à 10. Ok. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la même chose, etc., etc. Hop.
Ok, voilà à quoi ça ressemble. Donc, pas à grand-chose. On va mettre des poutres du coup entre les piliers et on va les mettre à 5 blocs de hauteur chacun. Donc, ici par exemple, sur la grande partie, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici comme ça pour mettre nos poutres au cinquième bloc, d'accord? Et pour l'étage du dessus, d'ailleurs, on va continuer, on va remettre 1, 2, 3, 4, 5 et ici comme ça. Il faudra donc qu'il y ait deux blocs qui dépassent de votre deuxième poutre. Et on va relier tous les piliers comme ça à la hauteur. Hop. Alors pour le premier étage, on mettra tous les piliers partout autour de la maison. Et pour le deuxième étage, on les mettra que autour de là où c'est possible. Hop. Voilà du coup pour la première poutre. Hein, vous voyez qu'elle fait vraiment tout le tour de la maison. Hop, comme ça. On va faire la deuxième poutre du coup en hauteur. Hop, ici, vous voyez hein, qu'on avait mis. On va les mettre entre les piliers. Là, je mets là où il faut pas d'ailleurs. Hop, donc on les met comme ça, hein, bien sûr, sur toute la longueur de notre... Hop, de notre maison. On la met aussi sur la partie centrale ici, là où les piliers sont à 10 blocs de hauteur. Hop, comme ça. Ok. Voici donc à quoi ressemble la structure de la maison. Maintenant, on va monter les murs, hein, du coup, parce que vous voyez, on a une espèce de quadrillage. Et on va faire les murs. Donc, là où on avait laissé des planches de chêne sur le sol, on va faire l'encadrage. Comme ça, vous voyez, on va faire des comme un cadre autour des poutres et des piliers en bois. D'accord ? Et on va faire ça du coup sur tout les murs de la maison. On va d'abord, parce que là vous voyez il n'y a rien au niveau du milieu, on va d'abord prolonger certaines poutres ici vous voyez, pour bien situer sur la maison. La poutre qui est là-bas, on va la prolonger jusque là. Hop, tac 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 tac. Et ici pareil, hop. Vous voyez, on va même prolonger beaucoup de poutres en fait pour que ce soit plus simple après pour l'aménagement d'intérieur de la maison. Hop, on va faire aussi les poutres à l'intérieur, d'accord, même s'il y en a certaines qui vont servir de charpente et d'autres de plancher, ça va être un peu différent. Hop, mais voilà, on fait les poutres à l'intérieur comme ça, c'est plus pratique. Ok, mais bon, on va faire au niveau de tous les murs, on va faire comme ça sauf au niveau des portes. Hop. Vous voyez, sauf au niveau des portes, du coup, là où on a laissé des écarts comme ça, où on n'en met que, hop, autour, comme ça. Et puis c'est tout. Allez. Hop. Ok, donc voilà un petit peu ce que ça donne, du coup, lorsqu'on fait le tour de la maison, l'ensemble des murs que l'on a mis en place, vous voyez. Avec les portes là où il faut, avec les trous pour les fenêtres. Alors, sachant qu'il va y avoir pas tout... tous les murs ne seront pas avec des fenêtres, il y aura deux murs où il n'y aura pas de fenêtres. Ce sera ce mur ici, vous voyez, du coup entre la jonction entre le carré du milieu et le carré ici. Hop, et la même chose de l'autre côté à ce niveau-là, parce que les toits vont chevaucher le mur et donc du coup il n'y aura pas de possibilité de mettre de fenêtres. D'accord ? Ok, une fois qu'on a ça, tout l'intérieur de la maison ici, vous voyez, est resté en herbe. Donc on va enlever l'herbe tout simplement sur toute la surface et on va mettre du bois à la place, ici des planches de chêne. Allez, et voilà. Ok, donc on a notre joli plancher ici, à ne pas oublier de faire le bas des portes. Alors, on va faire le deuxième étage du coup, hein, là où on avait mis ici des planches, on va faire un étage donc sur le carré du centre ici et le carré du milieu où on va mettre, hop, d'ailleurs à ce niveau-là, des bûches de chêne comme ça pour faire un petit peu de charpente, hein, ça fait toujours plaisir. Et du coup, dans ces zones-là, ainsi que les zones ici, ainsi que... À ce niveau-là, vous voyez, on a une espèce de petit balcon au-dessus de l'entrée. Ah oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai pas précisé ça. Mais vous voyez, donc, au-dessus de l'entrée, ici, c'est une partie qui est à l'extérieur. Et donc, on va faire deux portes à ce niveau-là, vous voyez, ici et ici. Et c'est comme ça qu'on pourra passer d'un morceau à l'autre de la maison. Et donc, on va faire un plancher à ce niveau-là aussi. Et voilà.
Ok, voilà pour le deuxième étage. Alors maintenant, vous aurez remarqué qu'il y a encore les espèces de blocs au-dessus ici, vous voyez, qui ne sont pas encore remplis de planches. On va faire les choses comme ça, c'est-à-dire que pour la grande partie à ce niveau-là, hop, on va laisser juste 3 blocs où il n'y aura rien du tout à ce niveau-là. Et on va faire la même chose sur le reste, ici comme ça, ok. Tac, 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 tac. Et on va faire tout un tas de petites fenêtres ici, ce sera des petites fenêtres à ce niveau-là, d'accord? On finit ça rapidement, et puis après, sur les autres parties de la maison, il faudra juste mettre des lignes de bois. Youp, hop, c'est-à-dire que voilà comment on a fait la grande partie. Et ici, vous voyez, donc sur les parties en 6 blocs de haut comme l'autre côté, on va juste mettre, hop, une ligne comme ça, hop. Voilà. Et la même chose à côté. Hop. Alors, une fois que l'on a ça, hein, vous voyez ce que ça donne, on va faire les fenêtres. On va mettre en place le design des fenêtres. Donc, je vous invite à prendre vos trappes en sapin et après, on va faire... Je vais vous montrer comment faire une seule fenêtre et après, ça sera toutes les mêmes partout, pareil. La même chose tout le temps. Donc, au niveau des fenêtres, on va mettre une ligne... De trappes en sapin au-dessus, on va mettre des dalles en sapin en dessous, on va mettre des trappes en chêne ici sur les côtés, tac tac tac, pour faire un petit peu des volets. On va prendre des vitres, bien sûr, parce que pour les faire des fenêtres, c'est quand même plus sympa. Et on va faire ça comme ça. On peut rajouter des pots de fleurs ici, par exemple, hein, en mettant voilà, des fleurs dedans, hein, parce que voilà, c'est quand même fait pour ça. Et puis c'est pas mal. En fait, on va... Du coup, faire ça partout sur toutes les fenêtres, hein, je vous montre pas pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo. Mais on peut aller un peu plus loin au niveau des décorations du mur, d'accord? Donc, on va pouvoir, voilà, trouver des dalles en chêne noire, ainsi que des lanternes. Hop, des lanternes normales. Et l'idée, c'est que ici, vous voyez, pas au niveau des poutres, mais juste les blocs en dessous, comme ça, on puisse mettre... des dalles comme ça collées contre le mur en chêne noir et des lanternes en dessous. Ok? Et on va faire ça quasiment à chaque pilier. Comme ça, tac. Hop. Et hop, d'accord? Et la même chose au-dessus ici au niveau des étages. Yep, yep. Histoire d'avoir un maximum de lumière parce que c'est vrai que quand on met des shaders et que vous êtes sous les toits de la maison, parce que vous voyez, la maison a des très grands toits. Avec les shaders, ça rend un petit peu moins bien, parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Donc voilà, c'est surtout pour ceux qui ont des shaders, hein, pour les lanternes comme ça, vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Ici, là, on en voit bien, ici, voilà, il y a des lanternes vraiment partout, partout. Voilà, pour la lumière, forcément. Alors, au niveau de la façade ici, on va vraiment finir les décorations au niveau des façades avec des dalles en chêne. Alors ici, spécifiquement, il y aura une terrasse ici comme ça. Donc sur le côté ici, on va mettre une ligne comme ça de dalles sur les poutres. Hop, qui était visible comme ça. Vous voyez? Alors ici il y aura un toit donc on va pas en mettre, mais voilà, ici il n'y aura rien du tout, donc on mettra des lignes de dalles comme ça, pareil ici, hop, hop, comme ça, tout jusqu'au bout. Et puis voilà, donc au niveau des décorations des façades, ça sera toujours la même chose, des lignes au niveau des poutres, sauf s'il y a des terrasses, donc comme ça sera le cas ici, je vais vous montrer. Les fenêtres, ça sera toujours comme ça, et maintenant les portes, hop. On va mettre une ligne de vitre au-dessus, on va venir reprendre des trappes en sapin comme ça, et en dessous on met des portes tout simplement. Hein. Portes en chêne parce que bah, c'est vrai qu'elles sont très très bien. En plus avec le pack de textures que j'utilise, c'est vrai qu'on me le demande un peu dans les... Qu'est-ce que c'est que ce skin? Bon bref, mon pack de textures c'est un pack de textures un peu personnalisé, mais c'est basé à la base du Faceful x64, voilà. Le Faceful, ça s'écrit alors F-A-I-T-H, full comme ça, F-U-L, je crois. Ok, maintenant on va faire le toit. Non, en fait on va faire les terrasses, parce que j'ai envie. Alors,
L'idée, c'est qu'on va utiliser des planches de dalles, on va des dalles de planches de chêne, plus exactement, comme ça, vous voyez. On va reprendre la façade de la maison qu'on avait laissée, et on va prendre la première poutre ici, comme ça. On va prendre la partie du haut du bloc, et on va faire une ligne de dalles à partir de là, sur 6 blocs, en fait, pour être au-dessus de la bûche de chêne en dessous, vous voyez. Et l'idée, c'est que comme ça, on va faire une ligne de dalles qui vient exactement par-dessus les planches, les bûches de chêne ici, vous voyez, comme ça, tac, 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 on est exactement au-dessus. Donc je vais vous donner les dimensions quand même pour ceux qui le souhaitent. Entre ce bloc-là, du coup, hein, on est au-dessus ici, et entre ce bloc-là, tout jusque ici, on a 18 blocs. Par devant, on a jusque-là, à là, 12 blocs, à partir du côté, hop, 12 blocs jusqu'ici, hop, on revient comme ça, 6 blocs, hop, et re sur le côté, 6 blocs, alors, paf, paf, ici on a 7 blocs sur la totalité entre là et là, et entre ici et là, on en a 5. Et vous voyez ici, vous êtes aligné avec les poutres à ce niveau-là. Ici, aligné avec là, et là-bas, aligné en dessous, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Et donc, toute cette zone-là, finalement, on va la remplir avec des dalles de chêne. Et hop. Ok, voilà notre grande terrasse, du coup, sur le côté de la maison. Maintenant, on va utiliser les escaliers en chêne, et à chaque fois qu'on est au-dessus d'une bûche comme ça, eh bien, la dalle qu'il y a au-dessus, on va l'enlever, et on va mettre un escalier en chêne à l'envers, de cette façon. Vous voyez, hop, tac, tac, hop, tac, tac, ici, comme ça. D'accord. Et en dessous, encore, on va utiliser les barrières en chêne pour rejoindre... ici, la bûche avec l'escalier. D'accord. Comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Et on va rajouter encore par-dessus un autre escalier. Hop, ici, comme ça, vous voyez. On vient de ce sens-là. Et on met d'autres escaliers comme ça. Alors, je crois qu'on est ici, vous voyez. Normalement, on est aligné à peu près par là. Hop, tac. Et hop, vous voyez. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour chaque pilier à ce niveau-là, pour chaque bûche de bois ici, comme ça. D'accord? Sur tout le contour. Ok. Allez, hop. Ok. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, on va directement faire le toit maintenant, hein. Donc, on va utiliser des dalles en chêne et des dalles en sapin. On va venir faire le toit de la grande partie ici. Vous voyez, ça sera la même chose pour les autres blocs. Sauf que les toits vont se chevaucher les uns les autres. Donc, il faudra faire attention. Mais voilà en gros ce qu'on va faire. On va mettre des dalles de sapin ici sur les coins. D'accord? Hop. Hop. Des dalles en chêne entre les dalles en sapin. Hop. Évidemment. Et une fois qu'on a ça, on va venir faire la même chose, mais en rajoutant une dalle vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre des dalles ici, on va venir faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Mettre, vous voyez, des dalles de sapin sur les coins et on va se rejoindre vers le milieu. Donc on fait un petit escalier comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, etc, etc, et on monte comme ça jusqu'au milieu. Hop. Alors, ici. Tac, tac. Ok, et voyez l'idée, hein, on va faire une espèce de petit chapiteau comme ça. Hop, sur les autres côtés également. Et hop, voilà, ça nous fait un petit chapiteau comme ça. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'on va joindre tous ces blocs-là par des dalles en sapin, comme ça. Hop, vous voyez, tac, tac, tac. Et on va faire ça sur tous les côtés du toit, hein, bien sûr. Hop,
Et l'idée, c'est que ce toit-là, on va le prolonger en fait sur les côtés de la maison jusqu'à arriver pile poil au-dessus de la terrasse ici, comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que ici, nos blocs de dalles de sapin, on va les mettre jusque-là. Du coup, vous voyez, là, on arrive pile poil au-dessus. Hop, hop, hop. Donc là, on enlève un peu les blocs en trop. Hop, hop. Et voilà un petit peu ce que l'on a, vous voyez. La même chose de ce côté-là. On va prolonger ici les dalles de sapin sur le côté, à la même hauteur. Hop, hop, voilà, on enlève les blocs en trop. Est-ce que je suis aligné là-bas? Ouais, normalement, ça a l'air d'être bon. Et donc, l'idée, c'est que, une fois qu'on a notre pilier du coin ici, comme ça, c'est pas un pilier, mais le bord de notre toit ici, comme ça, sur le côté, on va revenir prendre une bûche de chêne, et on va venir en dessous, au niveau du sol, mettre une bûche de chêne en dessous, comme ça. Vous voyez? Donc on va encore ajouter des bûches de chêne sur le côté, c'est normal. Ok, et l'idée c'est que une fois qu'on a ça, pareil, on va rejoindre les dalles en sapin entre elles avec des dalles de chêne. Ok, donc voilà ce que l'on a hein, pour l'instant. Donc j'ai pas fait tout le toit, hein, mais j'ai fait une partie parce que j'ai pas fait ces parties-là parce qu'il y aura d'autres toits autour et donc ça va se chevaucher. Et je vous montrerai comment ça va se passer. Hop, donc maintenant on va prendre les barrières de chêne. On vient reprendre donc les escaliers qu'on avait mis comme ça. Et on vient mettre des escaliers dans des barrières encore par-dessus jusqu'à ce que ça touche le toit. D'accord? Comme ça. Hop, tac, tac. Tac, voilà, hop, 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 et ça nous donne déjà un côté beaucoup plus sympathique. On va faire la même chose avec les bûches ici qu'on avait mis, hop, 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 on les prolonge jusqu'au toit, et on va faire la même chose ici, vous voyez, hein, on a prolongé le toit ici, hop, et on vient en dessous mettre une bûche de chêne ici comme ça, et normalement, si vous avez tout bien fait, vous êtes aligné avec ce pilier là, vous hein, voyez, youp, dans l'alignement. Hop, si c'est pas le cas, vous avez sûrement dû louper un truc. Hop, on met un pilier en dessous ici comme ça. Voilà. Et comme ça, on est pas mal. Donc, à partir de là, on va faire aussi les autres morceaux de toit que je vais vous montrer pour que ça se chevauche bien. Mais en gros, l'idée, c'est la même chose. Hein. On fait des lignes comme ça. Les arêtes du toit en sapin et on rejoint tout ça. Tout ça, tout ça. Hop, dans les, moi je vais les faire sur les petits carrés ici ainsi que sur le centre et après je vais vous montrer comment ça se combine. Hop. Alors, petite précision aussi au niveau des toits pour ces parties-là, d'accord. On va alors mettre un toit qui va déborder sur le côté ici sur 4 blocs de large. Vous voyez ici sur la diagonale, là on est sur notre dalle de sapin au-dessus du pilier. Et sur la diagonale on en met 4 comme ça. Ok, de chaque côté, hein, ici on en est à, on est là. Hop, on en met 1, 2, 3, 4. Ok, on enlève les blocs en trop. Et voilà, il faudra faire des lignes de sapin, de chêne, pardon. Hop, jusque là, et c'est jusque là que le toit s'étendra, d'accord, sur donc cette partie là ainsi que sur la petite partie ici. Ok, donc j'ai fait les toits ici comme vous pouvez le voir. Alors il y aura deux petites choses auxquelles faire attention. Hop, ici sur le côté, vous voyez, on va prolonger le toit juste en dessous de la terrasse ici, mais on n'ira pas plus loin. Ok, faudra pas oublier aussi de mettre les bûches en dessous des coins comme ça, d'accord, et mettre des barrières en dessous comme ça. Hop, bien sûr, hein, moi j'ai pas mis les barrières à chaque fois, mais voilà, faudra le faire. Tac, tac, tac. Et puis, hop, ici sur cette façade-là, du coup, on va pouvoir mettre une ligne de blocs comme ça, ainsi qu'une ligne comme ça ici aussi. Hop, ok. Hop, ici sur l'avant de la maison, on va remettre les barrières aussi, hop. Sauf que on ne va pas mettre
de blocs de bûches, comme ça, de bûches de chêne, en dessous de ce coin-là. Ici, vous voyez, on est au niveau de l'entrée, et donc il n'y aura pas de bûches en dessous ici. Autre chose, hop, c'est que à ce niveau-là, vous voyez, on a notre toit qui est coupé, qui n'est pas prolongé sur cette partie, tout simplement parce qu'il y a des portes à ce niveau-là, et que du coup, cette petite zone ici, on la laisse tranquille, on ne met pas de toit par-dessus. C'est pour ça que le toit, il est coupé comme ça. D'accord ? Ok. Maintenant, du coup, on va faire le toit ici, et il faudra le faire déborder du côté. Ici, comme ça. Il faudra le faire déborder sur le côté que de deux blocs. Uniquement, vous voyez, comme ça, deux blocs sur le côté. Sur tous les côtés, pareil. Ici, c'était 4 blocs. La grande partie, c'est même plus que ça. 6 blocs, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Voilà, on déborde carrément de 6 blocs. Et la partie du milieu, ça sera uniquement 2 blocs. D'accord ? Allez, on fait ça. Ok. Donc, voilà à quoi ressemble le toit du milieu. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, mais avec le grand toit ici, on va avoir un problème avec ce toit ici. Hop, si on reprend ce bloc-là et que l'on prolonge sur les côtés, ben voyez qu'on est bloqué directement avec le toit comme ça. Et donc, il faudra limiter son nombre de blocs. Hop, pop, pop, comme ça. Et vous voyez... Hop, comment on va faire du coup? Hop. Allez. Comme ça, dès que on rencontre le toit du milieu, eh bien, tout simplement, on fusionne les deux toits comme ça. Tout simplement. Hop, allez. Et voilà. Ok, donc, voilà à quoi ressemble le toit maintenant. Ok, avec la jonction entre les deux. Alors, maintenant, les toits, ils ne sont pas finis. On va rajouter des fenêtres dans les toits. D'accord ? Regardez ce que ça donne ici. Hein. Hop, c'est pas vraiment des fenêtres parce qu'il n'y a pas de vitres du coup. Hein. Vous voyez, on peut complètement passer au travers. Mais voilà, ce sont des espèces de... Je ne saurais pas comment le dire du coup si ce ne sont pas des fenêtres. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même assez stylé. Donc, je vais en faire une et je vais vous montrer comment faire les autres qui seront identiques. Hop, on va en faire une ici. Vous prenez le haut ici de votre maison et vous comptez 7 blocs en partant vers du bas, en allant vers le bas. 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous mettez une dalle par devant comme ça. D'accord ? On va la prolonger ici comme ça sur 1, 2, 3, 4 et 5 blocs du coup en total. Comme ça. Ok, les blocs par en dessous, on va les enlever comme ça, en étant de plus en plus large à chaque fois. On va juste laisser deux lignes comme ça de dalles en chaîne sur le bord du toit. Et le reste, on va hop, le mettre à niveau de la... Paf, comme ça. Tac, 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 comme ça. D'accord ? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 marches en diagonale comme ça, d'accord, de chaque côté. Et par devant, on va rajouter, hop, une dalle en sapin, comme ça. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis de, hop, d'esque, de pas d'escalier, mais de barrière comme ça. Hop. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et en fait, cette fenêtre-là, on va le mettre, vous voyez donc ici comme j'ai mis, hop, ici sur les côtés également, hop, sur le grand toit, ici on va le mettre sur toutes les façades, d'accord, sur toutes les façades du grand toit. Sur le toit du milieu, on va juste le mettre vers l'arrière de la maison, comme ça, vous voyez, vers l'arrière, sauf que on n'aura que 1, 2, 3 marches ici sur le côté, et non pas 4 comme les grandes ici, et on va laisser... 1, 2, 3, 4 blocs par rapport au haut du toit. D'accord ? Donc c'est la même chose mais en plus petit. Et sur les petits toits, du coup ici, ça va être un petit peu différent. On va faire la même taille hein, que pour les grands, sauf que... non, ça sera même plus grand d'ailleurs. On va en fait compter à partir du haut du toit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs. Ok, on mettra une dalle par devant sur 1, 2, 3, 4, 5 blocs de long, d'accord, et on mettra des dalles en sapin après,
Et sur les côtés, on va laisser 1, 2, 3, 4 et 5 blocs en diagonale sur les côtés jusqu'à arriver vraiment sur la ligne du bas du toit. Ici, comme ça, pour que ça soit pile centré sur le pilier principal en bûche, ici, comme ça, vous voyez. Comme ça. Et normalement, ça dépasse de un bloc vers le côté du toit, ici, comme ça. D'accord ? On fait la même chose de ce côté-là, ici, et la même chose, ici, comme ça. Alors, pour l'entrée à ce niveau-là, vous voyez, on avait notre balcon à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, ici, donc... Hop, pour reprendre. Hop. Donc, on est là. Hein. Hop. Donc, ici, là, on va utiliser des trappes en chêne avec des pancartes en sapin. Comme ça. Donc, des trappes en chêne de cette façon. On va les mettre comme ça. OK. Et des trappes en sapin, des pancartes en sapin. Hop, de l'autre côté. Pour faire une petite barrière. Et comme ça, on a vraiment notre petit balcon. Ok. Ok, une fois qu'on a ça, on va aussi mettre des fenêtres, parce que je vous ai pas montré comment faire les fenêtres du haut ici, vous voyez. D'ailleurs, ici, sur la façade, on peut prolonger notre dalle en chaîne. Hop, comme ça, notre ligne de dalle jusque-là. Vous voyez hein, l'idée. Et sur les fenêtres du haut ici, on va faire quelque chose d'assez simple. On va venir réutiliser les vitres. Et on les met comme ça, et on va mettre des trappes sur les côtés, tout simplement. Et c'est tout. Et on fera la même chose ici, là-bas, 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 partout autour de la maison, bien sûr. Ok, donc, normalement, vous avez toutes les informations pour faire le toit, à l'exception d'une petite chose. Hop, ici, vous voyez, sur le toit, à ce niveau-là, on va faire... Une fenêtre un petit peu particulière comme ça, c'est-à-dire qu'elle va être encastrée dans le toit ici. D'accord ? Hop. Donc, on va venir comme ça. On va compter à partir du haut du toit. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre une dalle de chêne par devant. Hop, sur 3 blocs comme ça. 1, 2, 3. D'accord ? Et on va utiliser les dalles en sapin par devant comme ça. Hop, et l'idée, c'est que en dessous, on va enlever tout ce qu'il faut comme ça, d'accord? Pour que on puisse avoir quelque chose comme ça. Hop, normalement. Voilà, comme ça, d'accord? On va mettre des dalles en sapin sur les côtés. Comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre une bûche ici. On va mettre des dalles ici, comme ça. Et l'idée, c'est qu'en dessous, ici, vous voyez, alors du coup, on va pas mettre une bûche, on va mettre... Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Et on va mettre à ce niveau-là une ligne de vitre pour faire une fenêtre, tout simplement. Ok, donc là, pour le coup, on a bel et bien fini le toit. Ok, je vous ai donné toutes les infos pour le toit. On va faire le sol, du coup, maintenant. Hop, l'idée, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a creusé un sillon tout autour de la maison, comme ça. Alors, je vais vous expliquer comment le faire. On va prendre le bord ici, vous voyez, de notre maison, la bûche à ce niveau-là. On va creuser dans le sol, comme ça, entre toutes les bûches ici, là, par exemple. Vous voyez, hein, on creuse comme ça entre les deux bûches. Puis une fois qu'on est dans ce sens-là, on va vers l'avant, jusqu'à arriver à cette bûche ici. Vous voyez, donc il faut l'avoir mise. Et on s'arrête à ce niveau-là et on la rejoint comme ça. Hop, ici, ça sera l'entrée de la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste laisser un bloc comme ça à côté de la bûche. Et puis après, hop, sur trois blocs de large comme ça, on va tout enlever par devant comme ça. L'idée étant que vous fassiez un petit chemin ici qui soit aussi long que nécessaire jusqu'à atteindre la route devant votre maison ou sur votre serveur, sur vos maps avec vos potes, etc. etc. jusqu'à rejoindre la route en fait, c'est ça l'idée. Hop, puis après, donc, on a un bloc de marge ici, trois blocs de chemin et ici on reprend sur la ligne. Hop, un sillon jusqu'à atteindre l'autre bûche ici.
D'accord? On va même enlever les blocs de terre qu'il y a en dessous. On va mettre des bûches comme ça en dessous. On va recreuser un sillon hop, dans le sol tout jusqu'ici. Donc jusqu'à la bûche qui est alignée avec cette partie-là de la maison. D'accord? Donc sur les quatre premières bûches comme ça, on va creuser dans le sol. Hop, et on enlève les blocs de terre qu'il y a en dessous et on met des bûches à la place. Il faudra mettre ça... Oh, bah il y a une caverne, tiens. Hop, il faudra mettre ça partout. Hop, donc sur tous les blocs qu'on a déjà mis ici. Tac, ici comme ça. Tac, comme ça. Ok, donc on fait un sillon ici aussi jusqu'à l'autre bûche. Hop, comme ça. Et ici, ça va être un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, on est sur, voilà, sur cette partie-là de la maison. Hop, au lieu de relier les deux bûches comme ça directement, on va faire un petit écart. On va venir creuser de 1, 2, 3, 4 blocs vers la maison. La même chose sur l'autre bûche, là, 4 blocs. Et vous reliez les deux comme ça, donc sur 5 blocs au total de large. Hop, on reprend cette bûche-là, on creuse un sillon jusqu'ici. Hop, en n'oubliant pas à chaque fois, on met les bûches hop, dans le sol comme ça aussi, voilà. Hop, et à partir de là, on recreuse un sillon jusqu'à l'autre bûche ici, qui, je le rappelle du coup, est en dessous du coin du toit. Hop, après, vous voyez ici, on a les bûches pour le support de la terrasse. Et, donc pareil, hop, et hop. Et donc, on les joint comme ça, et on fait un angle avec le sillon ici. Ok ? On n'en met pas à ce niveau-là, par contre. Parce que là, il va y avoir une très grande terrasse, et donc ça sert à rien. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser ce que je n'ai pas dans mon inventaire, donc des escaliers, vous voyez comme ça, en sapin, et on va venir les mettre, hop, comme c'est, de ce côté-là, donc vraiment l'escalier vers la maison, ok. Et on va mettre des escaliers comme ça, partout. Voilà. Ok, donc... on a fait tout le tour, sauf à deux endroits, hein, c'est-à-dire ici, vous voyez, en face des portes à ce niveau-là, on a mis... Bah, on n'a rien mis à ce niveau-là, vous voyez. Et hop, au niveau de l'entrée ici, en fait, vous voyez, donc là, ça sera les portes de l'entrée. Voilà, on y voit mieux. Donc, les portes de l'entrée et en face, on a mis juste un trou, on n'avait rien mis de autre. Voilà, et bon, tout le reste, on a enlevé tout ça. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va enlever ici toute la partie en herbe à l'intérieur des escaliers qu'on vient de mettre. Et on va rajouter des planches de chêne à la place. Évidemment, si vous êtes sur une survie, du survival, vous pouvez utiliser des dalles en chêne, hein, vous voyez comme ça, pour économiser des ressources. Allez, on fait ça. Ok, donc, voilà ce que ça donne hein, avec tout le plancher qui est mis, c'est déjà un petit peu plus sympathique. Voilà, donc au niveau de l'entrée du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Tiens, bah voilà, il y a des marchands. Alors, on va faire une grande route en fait avec des bois de chêne écorcés et des bûches de chêne classiques, ainsi que des trappes de pression, des plaques de pression en sapin. Vous voyez, on va faire toute une ligne comme ça. Hop. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre des bûches de chêne ici sur les côtés. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on va mettre une ligne. Enfin, on va creuser de 3 blocs hein, de large sur tout le devant de notre porte d'entrée. Hop, on va mettre des lignes de bûches ici comme ça. Hop, sur les côtés. Et au milieu, on va mettre des bûches écorcées. Donc vous pouvez mettre juste des bûches normales, bien sûr. Et après, comment dire, faire un coup de hache dessus pour les écorcer une fois que c'est dans le sol directement. Comme ça, c'est plus pratique. Et on met des plaques de pression comme ça. Tac, 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 tac. Hop. On peut en mettre ici aussi si on veut. Comme ça, ça nous fait une petite, un petit chemin tout mignon, tout sympa. Hop. On va faire un peu la même chose à ce niveau-là, mais pour ça, il nous faut une deuxième terrasse. Ici, vous voyez, j'ai fait les contours de la future terrasse, donc la terrasse en sapin. Hop. Alors, je vais vous donner les dimensions, mais pour ceux qui ont envie d'avoir des repères, vous prenez les blocs de
bûches qu'on a mis dans le sol à la base. Vous prenez, vous voyez, ce bloc là. Donc vous voyez, on avait un espèce de coude comme ça. Hein. Et vous prenez ce bloc là, vous mettez une dalle juste à côté, vous voyez. Et l'idée c'est que dans ce sens là, on prolonge notre dalle jusqu'au mur. Et de ce côté là, on prolonge jusqu'à arriver ici, c'est-à-dire au 1, 2, 3, 4e bûche. Ici, vous voyez, jusqu'à arriver en diagonale comme ça, et puis après on longe le mur comme ça, et puis on longe le mur là-bas, et là vous avez complètement votre contour de terrasse. Moi du coup je vais vous donner les dimensions pour ceux qui le souhaitent. Donc ici on prend la 1, 2, 3, 4e bûche ici comme ça, on pose notre première dalle ici, et on fait une ligne de là jusque là de 17 blocs, d'accord. Puis on va dans ce sens-là en étant jusqu'ici de 22 blocs. Sur le côté, on prolonge de 4 blocs comme ça. Ici, sur le côté, on prolonge de 6 blocs. Par devant, entre là et là, on a 12 blocs. Et entre là et là, du coup, on a 15 blocs et vous touchez notre bloc de départ. Pour ceux qui veulent avoir vraiment les contours de la terrasse. Une fois qu'on a ça, on remplit bien sûr. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. On commence à avoir vraiment notre maison là qui est pas mal du tout. Ok, donc on va faire un chemin entre notre porte à ce niveau là, vous voyez, et hop, notre terrasse ici qui va venir comme ça. Ça sert à rien parce qu'on a déjà un chemin ici directement sur la terrasse. Mais on va le faire quand même parce que c'est stylé. Donc on creuse comme ça, on enlève les blocs de bois qu'on a déjà mis. On vient mettre des bûches comme ça, hop, dans ce sens-là. On les met de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs par devant la terrasse. Non, face vers le haut, voilà, comme ça, d'accord. Hop, 1, 2, 3 blocs comme ça par contre, ou 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire 4 blocs. 4 blocs comme ça. On va venir jusque ici. Et on va revenir comme ça. C'est-à-dire que... Alors du coup, décidément, moi je suis juste au-dessus d'un gouffre. C'est rigolo. Hop, on va faire donc une ligne entre ce bloc-là, hein, du coup, jusque... Hop, jusqu'ici, de 15 blocs. D'accord. Et après, vous revenez là. Vous êtes normalement pile en face de la porte qu'il y a ici, voyez. D'ailleurs, en parlant de porte, on va en rajouter deux. Ici, vous voyez, à l'étage, sur cette partie-là, ok, on va enlever le bas, on va faire une porte à ce niveau-là. Je vous remontre pas hein, les vitres, les trappes et les portes, tout ça. Et une ici aussi, d'accord. Comme ça, voilà, on a un peu plus d'accès, c'est un peu plus sympa. Autre chose aussi, rapidement. On va venir prendre les dalles de chêne ici, ok, et on va venir prendre le coin du toit ici. On va mettre des dalles sur 1, 2, 3, 4 blocs par devant, puis après on se rabat sur l'arrière comme ça. L'idée, vous l'aurez compris, c'est qu'on est juste au-dessus des piliers ici, vous voyez. Hop, une fois qu'on a ça, on va mettre des dalles comme ça tous les deux blocs, histoire de laisser des trous. Et ces trous-là, on va les remplir avec des trappes en chêne. Tac, 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 à l'intérieur. Comme ça. D'accord. Et bien sûr, l'idée avec ça, c'est d'utiliser les barrières au-dessus de cet escalier. Comme ça. Ok. Revenons vite fait à notre... chemin ici. L'idée, c'est la même chose que ce qu'on a fait au niveau de l'entrée. On met des bûches comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Vous voyez l'idée. Enfin, on enlève ça aussi, hein, d'ailleurs. Hop. Et on va, voilà, faire tout le contour comme ça, en bûche. Tac. Tac. Ouais, alors moi, du coup, je peux rien poser. Hop, 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 voilà, comme ça, hein. Voilà, et au niveau de l'intérieur
de notre petit chemin comme ça, on va mettre des bûches de chêne écorcées. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Ok. Ben oui, c'est joli. On va rajouter, hop, ici, des escaliers sur les côtés. Tac et tac. Comme ça, ça fait encore plus sympa. Ok, du coup, on va faire l'escalier pour monter à l'étage, hein, parce qu'on n'en a pas encore, et donc forcément, c'est un petit peu embêtant. Donc, on va venir ici, vous voyez, sur cette partie-là. On va venir en plein milieu, compter les trois blocs ici. Alors, on va pas faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. On va mettre trois blocs d'escalier comme ça par devant. Ok, hop, ici, on va les mettre à l'envers. Et on va faire un escalier comme ça jusqu'au sol, bien sûr, sur trois blocs de large. Hop, voilà. Donc là, ça va être pour notre escalier. Donc du coup, pour faire la rambarde de l'escalier, on va utiliser des trappes en sapin. Hop, voilà. Donc ici sur le côté, comme ça, au-dessus. Alors attends, comme ça. Hop, comme ça, ok. Vous voyez l'idée. Hop. Alors, tout bien réfléchi, on va enlever les parties du dessous, comme ça, d'accord. Et on va venir mettre une deuxième couche, hop, alors, non, plutôt comme ça, au-dessus des trappes, comme ça. Hop, ok. Voilà, pour que ça ressemble à ça. Au niveau ici, on va rajouter une trappe comme ça. Une trappe comme ça, et on va faire la même chose de l'autre côté, d'accord. Ok. Donc, vous voyez ce que ça donne au niveau de l'escalier, hein. On a notre petite rambarde toute mignonne. Alors, maintenant, on va mettre une rambarde sur l'ensemble de la terrasse, ici, vous voyez, comme ça. On va utiliser des trappes en chêne, ok, et on va mettre des lignes de trappes, comme ça, entre les escaliers, de cette façon-là, d'accord. L'idée, c'est qu'on va vraiment entourer complètement la terrasse avec des trappes comme ça. Tac, 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 tac. Hop, ok, voilà. Donc, j'en ai mis sur tout le pourtour de la terrasse. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a mis nos trappes comme ça, on va venir utiliser des pancartes en sapin sur la partie extérieure de la terrasse. Et on va se mettre en accroupi pour pouvoir poser comme ça des pancartes sur toutes les trappe, mais pas au niveau des escaliers, hein. On va laisser les escaliers tranquilles et on va mettre, voilà, comme ça, des pancartes sur tout le long, etc, etc. Faudra le faire sur tout le tour, vous avez compris l'idée, et comme ça nous donne une petite rambarde fort sympathique, n'est-ce pas. Alors maintenant il nous reste vraiment la piscine et les finitions, hein, et on aura fini la maison, en tout cas pour la partie extérieure, et on fera un tuto pour l'aménagement d'intérieur plus tard, dans une autre vidéo. Alors la piscine elle-même, vous voyez, on a déjà les contours, hein, donc de notre tout ça. Donc on va creuser, hop, comme ça, autour de notre comment dire, entre les blocs qu'on a déjà. Comme ça, vous voyez, et on a donc cette forme là pour notre piscine. Toute cette forme là, du coup, on va la creuser sur trois blocs de profondeur, d'accord. Donc ici on enlève tout ça, hop, voilà, sur, donc là ça fait deux blocs sur trois blocs, voilà, et on fait tout ça. Ok, alors voilà un peu ce à quoi ça ressemble, hein, pour moi. Alors là, pour le coup, c'est vrai que j'ai aussi un espèce de trou en dessous de la piscine, ce qui est pas le truc le plus pratique du monde, mais voilà, on bouge ça rapidement et puis c'est bon. Hop. Ok, donc l'idée maintenant, c'est que les piliers en bûche comme ça, on va les prolonger chacun d'entre eux à trois blocs de profondeur. Hop, c'est pas forcément nécessaire, juste deux blocs en fait de profondeur, c'est suffisant. Hop, 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 et hop, ok. L'idée, c'est que l'on va utiliser des escaliers en chêne entre les bûches, comme ça, d'accord. On va faire vraiment tout le tour de la piscine, comme ça. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. On va utiliser maintenant les planches de chêne
en dessous, vous voyez, en dessous les escaliers qu'on vient de mettre. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. Et du coup, on va mettre du béton bleu clair en dessous pour faire vraiment le fond de la piscine. Et magie, magie, magie! Alors, on va mettre des lanternes aquatiques dans l'eau, ce qui est plutôt thématique. On va en mettre deux ici, comme ça, tac, tac. On va en mettre deux en face, tac et tac. Et on va en mettre deux au bout ici, hop et hop. Ainsi que deux là et ici. Très bien. Et comme on a une piscine, eh bien, le plus logique quand même, bien sûr, c'est de mettre de l'eau. Voilà, et le truc, c'est qu'on va mettre juste une seule couche d'eau au fond de la piscine, parce que c'est plus joli. En fait, généralement, vous voyez, il faudrait mettre de l'eau jusqu'en haut, ici, vous voyez, hein, comme ça, pour être normal. Sauf que j'ai fait plusieurs essais, et en fait, en mettant un seul bloc d'eau au fond de la piscine, on voit beaucoup mieux les escaliers, et donc c'est plus joli, en fait. De voir les escaliers entiers comme ça, plutôt que juste le haut des escaliers avec de l'eau partout autour. Donc voilà, vous pouvez faire des tests évidemment vous aussi. On va rajouter un autre et dernier petit chemin, vous voyez comme ça, donc avec des bûches écorcées et des bûches de chêne. On va venir ici en face de notre ouverture qu'on avait fait au tout début si vous vous rappelez bien. Donc on a 5 blocs d'ouverture ici, on a 3 blocs ici comme ça. Au plein milieu, hein, en plein milieu. Et donc, ces trois blocs-là, on va prolonger, on va creuser dans le sol comme ça, jusqu'à la terrasse. Mais aussi jusque devant l'escalier. Hop, sur les côtés, on va mettre des bûches de chêne, hop, tout à fait normal. Hop, comme ça, d'accord. Et à l'intérieur, des blocs de chêne écorcés. Si tant est que ça veuille bien mettre les choses où je veux. Voilà, vers le haut. Et ça nous fait un petit chemin fort sympathique, n'est-ce pas? En plus, là où je suis sur mon monde, j'ai une plage juste à côté, juste en face de la maison, donc c'est encore mieux du coup. Voilà, donc là on a vraiment toute la structure globale de la maison, d'accord? Maintenant je vais vous montrer les finitions à réaliser et je vais vous les montrer sur la maison finie du coup. Alors, premier truc, vous voyez au niveau des coins là-bas, ici et là du jardin, comme Jean. Bref. On a des arbres qui sont taillés et qui sont qui ont une forme un petit peu sympa. L'idée c'est qu'on va utiliser, vous voyez, des barrières en chêne et on va faire un grand tronc principal, on va dire. Hop, on va prendre des feuilles, voilà, comme ça, faire 4-5 blocs de hauteur au-dessus. Et l'idée c'est de faire partir des branches un peu comme ça, vous voyez, de notre... De notre arbre, et on va venir mettre, hop, comme ça, des branches autour et des feuilles au-dessus comme ça, ce qui nous donne des petits arbustes assez sympathiques, voilà, comme ça. Et évidemment vous avez plein de variantes différentes, hein. Ici par exemple j'ai mis la branche en coudée un peu comme ça, beaucoup plus basse. Ça donne ce genre d'arbre et c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. On en met au niveau des coins là où il y a la place. Ok, on va mettre aussi pas mal de petits pots de fleurs, vous voyez, sur les balcons qu'il y a devant les vitres, hein, je vous rappelle, la fenêtre. On met des dalles en sapin au niveau du bas de la fenêtre, ça nous fait un petit balcon et on peut mettre des pots de fleurs avec tout un tas de fleurs différentes par devant. D'accord, comme ça. Ici, ça donne un côté sympa. Hop, au niveau des lanternes, hein, je vous avais expliqué, les dalles en chêne noir, on va les mettre au niveau du bas, comment dire, à ce niveau-là, vous voyez, c'est-à-dire à 3 blocs et demi de hauteur, avec des lanternes en dessous, et on va mettre quasiment partout, vous voyez, partout, à chaque pilier, comme ça, d'accord? On retrouve toujours la ligne de dalle dont je vous avais parlé avant, hein, qu'on met sur le niveau des poutres ici, vous voyez, des lignes de dalle qui font tout le tour de la maison, ici, comme ça, ici aussi.
Tac, 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 tac. Donc ça, je vous avais déjà dit. Hop. Alors, au niveau de la maison en face, ici, comme ça, on peut mettre des rosiers, hein, par exemple, en façade. Donc juste derrière les escaliers. Et de les mettre un bloc sur deux, histoire d'espacer un petit peu. Avec de l'herbe par devant, par exemple. Hop. Alors, ça, c'est un truc qui est sympa. On va utiliser des balises. Hop. Vous voyez, dans le sol, juste à côté des routes, là, des chemins, avec des trappes en palétuvier par-dessus, parce que les trappes en palétuvier, vous voyez, ils ont une espèce de trou au milieu, et lorsqu'on met des balises en dessous, eh bien, ça donne un côté hyper sympa. Vous voyez, vous avez une forme comme ça, enfin, une jolie couleur, et en même temps, c'est un petit peu en profondeur, donc du coup, ça change en fonction de notre angle de vue. Bref, c'est super sympa, je trouve, moi, ce genre de petit truc. On en met à côté du chemin, comme ça. Mais à côté des chemins, ici aussi, vous voyez. Espacé de deux blocs à chaque fois. Et hop, donc des balises avec des trappes en palétuvier par-dessus. Ici, pareil, les rosiers espacés d'un bloc, les herbes et voilà, quelques petites fleurs par-devant. Voilà, les palétuviers bicônes, donc les balises. Alors ici, c'est au niveau de l'aménagement de la terrasse qui est intéressante. Hop, on enlève des blocs, vous voyez, de la terrasse comme ça. Et on met des planches de chêne, tout simplement, dessus. Et ça nous fait des transats, comme ça, automatiquement. Tout bête, hein, mais c'est pas mal. Voilà, on met quelques blocs derrière des composteurs avec des feuilles par-dessus. Histoire de faire joli, quoi. Vous voyez, on reprend un peu les mêmes astuces après, hein, les trappes en palétuvier avec les balises, les rosiers ici, les rosiers à l'arrière, c'est un peu la même chose. Ici, sur le côté, pareil, des rosiers. Et puis voilà, donc c'est à peu près toujours les mêmes styles de déco. Hop, au niveau de la terrasse, ici on met quelques petites tables et tout, donc on utilise voilà, des barrières en chêne noir avec des plaques en pression par-dessus, des escaliers comme ça pour faire des sièges, tout bête mais qui est très très bien. Hop, ici quelques escaliers pour faire un banc avec des trappes sur les côtés et sur l'arrière histoire de faire un banc un petit peu sympa. Le même banc ici comme ça. Et voilà, la même table ici comme ça. Que ce qu'on avait fait là-bas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres détails que j'aurais omis? Je ne crois pas. Voilà, alors l'idée évidemment sur cette maison-là, le meilleur emplacement que vous pouvez trouver, c'est à côté d'une plage. Ça évidemment, parce que la maison est dans un style très vacances, évidemment. Si vous voulez, si jamais un jour vous avez envie de louer une maison pour vos vacances à côté de la mer dans le sud par exemple, ben c'est typiquement ce genre de maison là que vous pourriez avoir, typiquement. Bon, ça coûtera un petit peu cher à mon avis, mais voilà, vous pouvez tout à fait louer ce genre de maison. Et donc le mettre près d'une plage, ben c'est tip top vraiment, il y a pas mieux. Ou alors en plein milieu d'une forêt, comme ça c'est bois, ça fait très dans le ton aussi. Et l'idée, c'est voilà, d'utiliser des plaques de pression en bouleau et du sable dans le sol, histoire de faire un petit chemin jusqu'à la plage. Parce que voilà, les trappes en bouleau et le sable se mélangent peut-être un petit peu au niveau de la texture. Donc ça nous fait un petit espèce de dégradé entre le sable et le bois jusqu'à la maison comme ça, qui peut être intéressant. Et puis voilà! Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la maison. Vous devriez avoir toutes les informations pour la réaliser. Je trouve personnellement que c'est une maison qui est très sympa, que j'aime beaucoup, en tout cas moi personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai été un petit peu en retard pour cette maison, mais vous inquiétez pas, je vais l'aménager. Oui, bon, j'ai pas mon skin, mais... je vais l'aménager, ce sera le contenu pour la prochaine vidéo. Et puis voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.